fois qu'on a passé les produits finis et les dev kits qui permettent de rapidement démarrer la fabrication d'objets connectés en Sigfox, eh bien, on a des composants qui sont intégrés dans les produits qu'on va fabriquer, les produits finis. On peut avoir plusieurs catégories de composants. Il faut savoir que si on part vraiment des composants de base, le coût d'intégration et la complexité d'intégration peut être relativement important. Et si on fait des objets en peu d'exemplaires, le coût de design et de certification qu'on va avoir derrière n'est pas forcément très intéressant par rapport au fait d'utiliser une solution pré-packagée un peu plus chère, mais qui va nous permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent dans la certification. Du coup, il existe ce qu'on appelle des modules. Donc un module, en fait, c'est un circuit électronique qui contient un microcontrôleur avec un chip radio et puis toute la tuyauterie nécessaire pour arriver à faire fonctionner ça. Et qui, en général, va être enfermé dans un boîtier en métal et qui va avoir dessus des références de certification. Donc ce composant-là, vous allez pouvoir le prendre et le souder sur la carte de votre circuit et vous aurez un système tout en un qui est capable de communiquer sur le réseau Sigfox et sur lequel vous aurez une intégration qui est facile avec votre propre système. Dans certains cas, le module peut même être programmé de façon à pouvoir mettre à l'intérieur votre propre code et du coup vous faites de ce module votre processeur principal. Voilà, donc ça c'est une solution pour rapidement fabriquer une solution communiquant sur le LPWAN, il en existe aussi bien entendu dans le monde de LoRaWAN, qui va te permettre d'aller vite et de façon simple communiquer sans avoir à comprendre toutes les subtilités de l'électronique qui est derrière. Ensuite, quand on descend au niveau en dessous, bien dans ce module, j'ai dit qu'on avait des chips radio. Donc on peut aller au niveau chip, mais il y a encore une étape intermédiaire que l'on peut trouver qui s'appelle le System in Package. Donc sur le monde de Sigfox, des System in Package, j'en connais deux, il y en a un de OnSemi qui est un petit System in Package monozone, donc qui permet d'émettre sur une zone particulière. Et puis il y a une autre boîte qui s'appelle HTMicron qui est en train de développer un System in Package qui est multizone. Voilà. Donc le System in Package, lui, en fait, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir soudé les composants classiques et d'avoir sur un PCB, sur une carte habituelle et d'avoir mis une coquille en métal par-dessus, le System in Package, lui, va prendre ces composants-là et va les noyer dans, comme si ça s'agissait d'un composant électronique. Donc les noyer dans une couche de céramique, ce genre de choses. Et donc, ça donne l'impression d'être un chip, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est un peu l'équivalent d'un module. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus compact. Et donc, le fait que ce soit plus compact, c'est plus facile à intégrer dans un objet connecté. Mais c'est un peu plus rare et voilà. Le dernier étage, eh bien, c'est celui où vous partez des chips radio. Ces chips radio, eh bien, vous allez les souder directement sur votre carte principale avec toute la circuiterie qui va autour. Voilà. Et puis bien sûr, derrière, eh bien, le design va être un peu plus compliqué parce que toutes les problématiques pour optimiser la radio, vous allez devoir vous les coltiner vous-même, alors que dans un module, il y a quelqu'un qui globalement l'a fait pour vous. De la même façon, d'un point de vue certification, vous serez obligé de repasser l'ensemble des certifications, alors que dans le cas d'un module, les certifications principales ont déjà été acquises pour le module, et donc pour votre objet, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Donc c'est assez rare de partir sur un design électronique qui part directement des composants quand on est dans ce domaine-là. Ça peut arriver à partir du moment où vous voulez soit drastiquement réduire les coûts, mais surtout lorsque vous avez du volume. Et à partir de ce moment-là, le temps que vous passez à faire le design supplémentaire et la certification est de toute façon amorti par le volume que vous allez produire.